Aujourd'hui étape facile, hein. Non je rigole. Hein. Donc j'étais MC6, voilà jour 6 avec Thierry, Fabien, mon accompagnateur du jour, et Seb. Donc aujourd'hui on part pour 57 bornes et je sais plus combien, 1003 je crois, ou 1004 de positif. Donc on va voir ça. Le soleil est de la partie. Un peu plus frais que les autres jours, mais ça va faire du bien parce que je pense qu'en arrivant à la Canorca, on va dire, on va voir. Allez, on a fait quasi 7 km. On attaque le gros de la descente là sur la Canorca. Toujours avec Fabien qui est en forme malgré la construction de sa maison. Pleine bourre. Voilà, donc là ça casse bien les pattes d'entrée le matin. Avec 1h30 de course, on est avec Laurent qui nous a rejoint. Voilà, que je ne connaissais pas. Hyper sympa, il nous a rejoint sur juste avant Saint-Germain, puisqu'il habite par là. Donc là, on est en approche de Saint-Germain, on est à 13,5 km. Tout va bien. Tout va bien. Du mal. On va attaquer du coup la descente sur Banassac après. Barbra Streisand. Comment ça va? Ça va? Ouais? Et toi? Ça fait plaisir? Bon, mais on est 4, c'est le record là. Record depuis mon départ de Volvic. D'accord. Ah, mais tu vas voir quand tu auras le rythme, c'est largement courable. Là, je vais pas vouloir mes parce que j'ai ah, non, ouais, t'inquiète. Un petit chemin agréable à l'ombre. Un plein cœur de la Lozère. Et 4h30, 37 km sur avec la Seine et Fab. On arrive, on va vite tôt. Il est midi, voilà. On est toujours à l'heure pour manger. Et il reste une vingtaine de bornes. Tout va bien, on va sentir un peu. Normal. Voilà, notre team Ravito devant. Il s'est mis en place là. Alors Nicolas, il se dit que tu souffres du froid. Barbra Streisand. Si t'as un conseil à donner les mecs qui vont l'hiver sous la neige. Venez à l'Auxerre, venez à l'Auxerre l'été pour voir si c'est pas. Toujours avec Betty, en pleine forme, avec un fond derrière Champéroux, voilà le village où vient de s'arrêter pour faire un petit ravito. Encore, ouais, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, ouais, si, je pense que je le referais parce que humainement, ça apporte beaucoup. Et voilà, le paysage avec le marché, ça, je pense que, voilà, il faut l'avoir fait, je pense, pour pouvoir en parler tellement c'était extraordinaire. La variété des choses, rien que sur une journée, des fois. Si on était par exemple sur le Drague et puis à cause de la Lozère, parce que c'était rien que pour ça. Dernière question, si un mec te disait demain je vais le faire, quel conseil qu'il te donnerait? Un seul conseil. Un seul conseil, être très 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 costaud dans sa tête.
l'es Moi, je suis... Oui, tu l'es. Si, si, tu l'es. Si, si. Tu l'es vraiment. Là. Allez, bon courage, Nico. Merci. Le projet Nicolas, tu en penses quoi? Ah, il est super, hein, c'est un gars de rock, hein. C'est Nicolas, bravo Nicolas. Il a traversé de Massif Central, pratiquement au bout. Et vive la Lozère! Après l'Aubrac. Allez, on arrive à 2 km, à 2 km de l'arrivée, toujours avec Thierry et la Seine, toujours en forme les deux. Moi ça va, ça commence à bien tirer de partout, mais bon, je crois que c'est un petit peu normal. Voilà, on arrive au col de Montmira, c'est pas loin, on voit le bout là-haut, on voit Seb, on voit Betty. Allez, ça sent l'arrivée. Allez, les 100 derniers mètres. 8h05, 59 km, 1700 de débus. Et voilà, derrière toutes les personnes qui vont aider aujourd'hui, la Seine, Betty, Thierry, Seb. Merci à vous. Petit état des lieux de l'hébergement de la Fave. Avec Thierry qui est branché. Voilà, il termine. Petite cheminée.